Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens pour vous lire petite commande Temu. Voilà. Bon, je retourne pas de l'autre côté parce qu'il y a mon adresse, donc ça vous intéresse pas trop. On va mettre ça, hop, dans la poubelle. Alors, je vais essayer de vous retrouver les prix. Ça, c'est pas gagné, mais on va voir. Donc, je vais aller sur mon PC. Voilà. Mes commandes. oui, voilà, elles sont là. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il y a un truc que je ne veux pas vous montrer, ça ne vous intéresse pas, c'est des culottes. Voilà. Bon, l'eau de culottes basiques, gna, 9,44 €. Voilà. Bon. Ça, on s'en fout. Une pince. Je me suis acheté une pince à cheveux. La pince à cheveux, elle a 0,67 centimes. Bon, je vais la déballer avec vous. Oh, c'est dur. Oh la vache. Oh, il met un peu d'huile. Voilà, 0,67 centimes. Ensuite, j'espère que celle-là va tenir plus le choc parce que j'en avais acheté une chez Temu. Elle n'a pas tenu, elle a rouillé. Voilà, une petite croix avec la Sainte Vierge dessus. Par contre, la chaîne. Ouais, je verrai. Donc la croix avec la chaîne, 1,69 €. Voilà. Ensuite, on s'est pris un petit haut. Avant que j'aille l'essayer. Savoir si ça va. Oh, déjà, j'aime bien la matière. Ouf. Ah, il est superbe. Je crois que ça va me servir de robe. Je crois que je me suis trompée de taille. Bon, ben voilà, j'aurai une robe. C'est pas grave, hein, pour mieux que ça soit trop grand que trop petit. Voilà. Elles sont magnifiques, les robes. Les manches, vous voyez, c'est fait tout en dentelle. Alors, le petit haut, 9,97 €, même pas 10 €. Ça va. Ensuite, comme je vous avais dit dans mes vidéos précédentes, mon conjoint fait du paranormal. Donc, je lui ai pris des baguettes de sourcils. Bon, bah ça tombe tout seul, hein. J'ai rien fait, hein. J'ai rien fait de spécial. Hop. D'accord, ok. Bon, bah il fait caca avec moi. Hein. Peut-être, je sais pas. Ah, les baguettes de sourcils, c'est 12,48 €. Mais bon, je pense que ça, vous en avez un peu rien à. J'ai pris aussi un thermomètre extérieur infrarouge. Il fait 13,99 €. Mais il faut que je trouve pour mettre les piles. Hop. Bon, bah, je sais pas comment ça marche. Pour le casser déjà dès le début. Ah, j'ai trouvé. Ah, alléluia. On va y mettre les piles. S'il veut bien s'ouvrir. Et après, je fais comment? Ah ben, j'en sais rien du tout.
pas doué. Ah, alors là, natif, pas doué. Ah, faut peut-être tirer ça, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Pourtant, il dit j'ai faut tourner le bignou. Moi, je veux bien tourner le bignou, mais il faut que le bignou il s'ouvre aussi. Regardez les explications. Alors, comment il ça marche? Bah oui. Hein, en français, c'est peut-être un peu mieux. Oui. Ah! D'accord. Ok. D'accord, d'accord. Alors, normalement, il faut pousser. Il y a longtemps que j'ai poussé, moi. Bah, ça marche pas. Donc, je sais pas. Ah! Il a trouvé. Il a trouvé, il a trouvé. Voilà. On va y mettre les piles. Et on va voir si ça fonctionne. Hop. Ah, c'est pas le bout. Oh là 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 là. Voilà. On retourne dans l'autre côté. Hop. Voilà. Bon, bah maintenant, il ne va plus se fermer, le machin. Oh là là. Ah là 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 là. Ah, mais non, mais mets-toi dans l'autre sens. Pourquoi je te ferme? Bon, alors voyons voir. Oh. Ah bah, il fait 24,09 degrés dans ma pièce. Mais ça commence bien, il fait chaud. Ah. Bon, bah, ça fonctionne bien. Hein. Nous, je sais pas si... Voilà. Bon, ben voilà, ça fonctionne impeccable. Ah ben non, ça fait 73,8 Fahrenheit. Je sais pas. Bon, ben maintenant, on va voir qu'il s'éteigne. Je pense qu'il doit s'éteindre tout seul. On verra. Bon, ben voilà ma petite commande Temu. On va, tiens, on va tester la petite barrette en même temps. Hop, voilà. Ah. Et ben voilà, tout nickel. si vous voulez retrouver mon conjoint, il a sa chaîne YouTube, c'est Tony Urbexer. Et vous pouvez le retrouver sur TikTok. Voilà, je fais sa pub. Donc voilà, sinon je voulais vous donner de mes nouvelles aussi, donc tout va bien. Oui, j'ai fait une autre commande Temu hier, mais... je vous l'ai pas montré, donc bah, je vais vous la montrer aussi. Donc, bon, ça, je me suis acheté une montre. Je la trouve très très légère et... bon, ils disent qu'on peut aller dans l'eau avec, mais... je sais pas, j'ai... Bon. Je peux vous donner les prix si vous voulez. Alors... Donc, bah, y a des choses que je ne veux pas vous montrer parce que c'est déjà utilisé. Mais bon, il y a un truc pour mettre remettre les orteils en place parce que mon conjoint elle a des orteils qui. Pff, il branche les têtes. Donc, c'était 1,79€. Je me suis acheté cette montre-là. Aussi, elle était à 1,77€. Par contre. Voilà, et je lui ai acheté une boucle d'oreille aussi à 1,38€, donc c'est pas très intéressant. Je me suis acheté des lots de 20 tiges de boucles d'oreille avec les petits derrière pour pouvoir faire des boucles d'oreille au crochet. Donc, à mon avis, ça va être très petit. Je n'ai pas envie de les défaire de la boîte. Du sachet,
Donc, à mon avis, ça doit être du 2. Hein. On va travailler avec du 2. Et là, je me suis recommandé un fond de sac à main. Il était à 1,98€. Voilà. Et là, je me suis commandé un lot de 80 pièces. Donc au total, hein, il y a 80 pièces. Donc c'est des petits anneaux, des petits fermoirs. Voilà. On va les mettre dans le bon sens. Des petits fermoirs. Et je pense que ça doit être pour finir les fermoirs. Oh, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est pour faire des porte-clés ou des bracelets. Et ça m'a coûté 98 centimes. Voilà. Donc voilà. Bon, bah le rangement, ça se fait petit à petit. Comme on dit, l'oiseau fait son nid. Donc, bah voilà. Sinon, bah tout va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Donc, je vais commencer à faire aussi les petites décorations pour Halloween. Donc, on va faire des petits porte-clés en citrouille. Voilà, des petites boucles d'oreilles. Et puis, pardon. Et puis voilà. Sinon, ben, pour l'instant, niveau créa, c'est calme plat. Je vais en faire un peu, hein. Je vais vous montrer, j'ai fait un pull. Voilà, je fais un petit pull bien large, comme ça je suis bien à l'aise dedans. Voilà, alors ça c'est le dos et ça c'est le devant. Voilà, j'ai pas rentré les fils encore. J'ai fait des points différents. Voilà, vous pouvez le voir. Je vais vous donner les explications aussi, c'est pas compliqué du tout. Mais ça, c'est pour les personnes fortes. Hein. Donc après, il faut que je fasse les déductions. Ou vous les ferez, les déductions. Parce que moi, j'ai fait sur une base de 140 mailles. Donc voilà. 140 mailles. Et ben voilà, tout ce que je voulais vous dire. Je vais aller essayer mon petit haut pour savoir comment il me va. Mon haut robe tunique, là. Mais bon, comme je dis, il vaut mieux que ça soit trop grand que trop petit. Donc voilà, sur cette petite vidéo, moi je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous!